Amicia, on n'ira plus jamais à la maison, alors? Non. C'est trop dangereux. Il y a des rats aussi, là-bas? Peut-être. Je sais pas, Hugo. J'ai peur qu'ils nous trouvent quand il va faire nuit. On sera à l'abri chez Laurentius. Allez, viens. Là-haut, un moulin. C'est la ferme de Laurentius? J'espère. J'ai jamais vu un vrai moulin. Si on reste prudent, tu en verras un très bientôt. Amicia, regarde! C'est un de ceux qui ont attaqué la maison. L'Inquisition. Ils sont là. Comment ils font ça? C'est des animaux, bordel! Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai l'air d'un rat, peut-être? Tout ce que je dis, c'est qu'on se débarrassera pas de ces nids avec de la chaux. L'important, c'est qu'on soit parti quand le soleil sera couché. La nuit, c'est leur territoire. Allez, j'y retourne. Ça me dit rien comme bruit. Rien. Amicia, regarde! Il y a un pont qui va vers... Amicia, je n'ai pas le choix. Ça fera l'affaire. Avec le deuxième barrage, personne ne passera. Sois sage et attends-moi là. D'accord. C'était quoi ce bruit? C'est bon, Hugo. On est piégés. Il y a un trou dans le mur. Je passerai pas. Tu vas devoir y aller pour ouvrir la fenêtre. Mais ils vont me voir. Je vais les occuper. Fais-moi confiance. Ce bruit. Faut que j'aille voir ce que c'était. Bon, c'était rien. Oui, à moi maintenant. C'est la deuxième fois. Je dois voir ça. Bravo. Il faut qu'on parte, Amicia. Toujours rien. Je me ferai pas encore avoir. Dites au seigneur Nicolas que la route est fermée. Toute personne ou véhicule qui passerait par ici doit être arrêtée et fouillée. On cherche qui exactement? Un gamin de 5 ans, Hugo de Rune. Cheveux marrons, les yeux bleus. Est-ce que tu parles de moi? Le seigneur Mais Nicolas pourquoi le veut vivant. Chut. Ah, c'est pas le genre du capitaine de la garde pourpre de les prendre vivants. C'est impératif. Le seigneur Nicolas tient ses ordres du grand inquisiteur lui-même.
Alors, ouvrez l'œil. Attention, il y a un gars. J'ai entendu quelque chose par là. Attention en redescendant. D'accord, pas de bruit. Non, rien. Y a rien du tout. Amicia, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils me cherchent? Tu n'as rien fait. Ce sont eux, les coupables. S'ils nous attrapent, est-ce qu'ils vont nous faire mal? Ils ne vont pas nous attraper, d'accord? D'accord. Hugo? Hugo! Tu es où? Oh, Hugo, ça me fait pas rire! Bou! Hugo! T'as eu peur? L'Inquisition est ici, Hugo. Tu veux qu'il t'emmène? Ne refais plus jamais ça, tu as compris? Bon, d'accord. Laisse-moi. Entre nous, le grand inquisiteur. Il va vraiment nous sauver de la morsure, tu crois? C'est un saint. Il nous sauvera. Mais il a besoin du Seigneur Nicolas. Et de nous aussi. On a tous un rôle à jouer. C'est enrôlé pour ça. Ouais, c'est vrai. Ne doute pas, mon frère. Nombreux. Bon, fausse alerte alors. Bruit surtout. Je bouge pas. C'est quoi? C'est quoi ce vacarme? Suis-moi, sans faire de bruit. J'arrive. Rien. Oh, ça fait deux fois. Toujours rien. Et rien du tout. Bon, laissons tomber. Hé, j'ai vu l'un des nôtres tout à l'heure sur un chemin. Il était mort. On l'enterre pas. Il a été mordu? Oui. Et tu l'as touché?
Non. Tant mieux. Parce que si un rat te mord... Hé, qu'est-ce que tu fais là? Hé, tu m'entends? Ils attendent quoi pour sonner le retour au camp? Il y a eu un bruit. Je suis pas dingue. Ils peuvent plus nous voir, hein? Non, c'est bon. Passe, je vais t'aider. D'accord. Repli? Qu'est-ce qui se passe? Hugo, on ne doit pas s'arrêter. Pas ici. Je me sens bizarre. Allez. Tu te reposeras quand on arrivera chez Laurentius. Ma tête... Ça fait mal. Je sais pas ce qu'il faut faire, Hugo. Elle faisait quoi, maman? Elle me tenait un remède. Je vais te porter. Je peux pas faire mieux. Allez, grimpe. Tu sais, maman veut pas que je sorte de la maison. Je sais. Ça doit être pour ça que je me sens bizarre. Tu es fatiguée, c'est tout. Elle me manque. Mais toi, au moins, tu avais le droit de la voir. Hein? Non, rien. C'est le moulin. On y est presque. Dis, Laurentius, il va m'enfermer encore? Il va te mettre à l'abri. D'accord. C'est vrai que c'est dangereux dehors. Mais des fois, c'est bien aussi. Tu iras mieux un jour. C'est des animaux morts? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On va devoir être très prudent. Il vaut mieux que tu descendes, Hugo. Ah, ça rentre dans mes chaussures. Oh. Oh, c'est pas vrai. Ah, ils sont non. Ici, il y en a ici. Non, non, non. La torche. Vers la torche, vite. Qui les fait sortir? On ne craint rien si on reste loin d'eux. Allez, allez, plus vite!
Viens, je vais te faire monter. D'accord. C'était juste. Encore cette boue. On passera pas. Massacrés. Sans doute pas l'Inquisition. J'ai envie de vomir. Allons-y. Oui. Allez, encore une fois. C'est ça. Oui. Allez, on y est presque. Amicia, pourquoi ils ont tué les cochons? Peut-être pour contenir les rats ici. C'est très, très lourd. Je ne parle pas. Pousse! On l'a fait. On y est. Ohé, Laurentius! Chut, Hugo! Mais... Et si c'était pas Laurentius, hein? Tu y as pensé? Pardon. C'est tout noir. Il y a peut-être un monstre dedans. C'est ça, un moulin? Ce qui reste d'un moulin. C'est joli. Fermé. On doit trouver le moyen d'entrer. Salut, toi. Oh, t'es encore Qu'est-ce en que vie. Tu fais dehors par une nuit pareille, hein? Je suis désolée pour tes amis. Ces sacs ont l'air très lourds. Des céréales avariées. Ça doit être pour le cochon. Vide. Le cheval. Les rats ont dû passer par là. Le pauvre. Vas-y, monte. Oui. Je passe devant. Oui, oui.
va rentrer et m'ouvrir la porte le plus vite possible. Sois très prudent, d'accord? Oui. C'est bien. Oh, ça sent bizarre. De l'alcool pur, ça vient des alambics. Y'a quelqu'un? Allons voir. Qui êtes-vous? Maître Laurentius? N'approchez pas, il est contagieux. Hugo, c'est toi? L'Inquisition est venue. Nous avons tout perdu. Je n'ai rien pu faire. J'ai... Je comprends. Ils sont venus le chercher. Il y a un mal. Un mal ancien. Dans le sang de ta famille, dans ton sang, ta mère et moi avons essayé de freiner sa progression. Mais depuis la brisure, le processus accélère. Tu dois le protéger, Amicia. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Mais comment? Mes parents ont essayé et maintenant ils sont morts. Laisse-moi! Ils sont ici. Les rats sont dangereux, mais désorganisés. Au contraire de l'Inquisition. Ils veulent le petit. Ils n'auront de cesse de le traquer. Nous devons disparaître. Il faut aller au château d'Ombrage. Lucas, cours à la grange. Tu dois finir l'ignifère. Ne parlez plus. Je serai digne de vous. Je suis désolée pour vos parents. Mais vous n'êtes plus seul maintenant. On doit faire vite. Tu vas m'aider à préparer l'ignifère. Ça nous protégera des rats. Viens, Hugo. Je veux pas que tu restes là. Le matériel est dans la grange. Venez avec. Oh non. Oh, les jambons. Bonne idée. Ah, mais ils craignent la lumière. Voilà. Désolée. Bah, c'est pas grave. Hé ! Donne-moi la main. Non. Je vois. Alors ne t'éloigne pas. Ça va, vous deux? Ça a été... un long trajet. Oh non. Ils sont revenus. Ils sont partout. Il faut qu'on aille au fond de la grange. On peut pas partir sur l'ignifère. Oh, comment on va faire? Il nous faudrait de la viande. Morte ou vive. On va se servir de ça. J'ai compris. Laisse-moi t'aider. On va lui donner à manger? On peut dire ça. À table, petit cochon. C'est bon. Mâche bien, petit cochon, ou tu auras mal au ventre. Il faut être sûr qu'il reste. Je vais fermer. Il y a une échelle sur le côté. Venez. Allons-y. Hugo? Hugo, écoute. Boude si tu veux, mais ne t'éloigne pas. Allez, monte. Ah,
les lumières. Oui. Hugo, ne regarde pas, s'il te plaît. Pourquoi? Non, Amicia, qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée, Hugo. Mais arrête, il est mort, il est vivant. On n'a pas le choix, Hugo. Il faut éloigner les rats. C'est horrible. En fait, t'es comme les autres. Hugo, on n'avait pas le choix. Venez, par ici. Le pauvre. Attention, vous marchez. Ça, c'est pas du simple matériel de docteur. Mon maître est aussi et avant tout un grand alchimiste. Tu t'appelles Amicia, c'est ça? Moi, c'est Lucas. On va préparer l'inifère. Regarde si tu trouves de l'alcool et du soufre. Il doit y en avoir ici. Dis-moi quand c'est bon. D'accord. Alcool et soufre. Alcool, soufre, ce four... Ça doit être ça qu'ils appellent un athanor. Tu fais quoi? Un assemblage alchimique par dissolution des réactifs. Démon. C'est... juste de l'alchimie. Lucas, pourquoi mon mâle, c'est pas le même que Laurentius? Il a été mordu par un rat. On dirait qu'ils ont passé pas mal de temps ici. Est-ce qu'il va mourir? Je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. C'est bon, Lucas. Bien. Maintenant, tu vas les mélanger. Fais-le doucement, c'est sans danger. D'accord. Voilà, c'est... Oh, les rats! Oh non! Non! On est coincé! Non. Vinifère, Amicia, c'est le moment. Vise les braises au centre de la pièce! D'accord. Oh, oh, ça fait du feu. C'est moi qui ai fait ça? J'ai vraiment fait de l'alchimie? Oui, ton mélange était parfait. On dirait que tu as hérité de ta mère. Tu sais quoi? Je pourrais te montrer comment créer d'autres projectiles. Ça nous serait utile. Volontiers. Merci. J'ai fini mes mélanges. On doit retourner voir Laurentius. Amicia, tu devrais passer devant. Des rats, reculez! Lunifère, lance-le sur les braises. Pourvu que ça ne m'explose pas au visage. Vas-y, monte. Il y en a beaucoup. Laurentius. Je vais dégager un chemin. Je passe devant. Pas de problème. Allez. Laisse-moi. Hugo, écoute. Pour tout à l'heure, je voulais te dire... Je suis vraiment... Maintenant! Maître... Hé, arrête! On a besoin de toi. Regardez! Le cheval! C'est le moment! Hugo! Lucas! Courez! On a besoin de ce cheval! Ils sont partout! Lucas! Je suis là! Il va où, ce chemin? Lucas! On va où, comme ça? Vers la rivière! Lucas, viens!